Oui, salut, des bisous. Bonjour. Bah on va faire, de toute façon c'est écrit dans le titre ou pas? Si j'ai dit que j'allais faire des lasagnes et des tartes tatin. Bon, c'est parti, pâte brisée. Bah on va briser les... On va faire la pâte brisée pour la tarte tatin parce qu'il faut laisser reposer. Et on va la faire là, après on va faire les lasagnes et après on va faire la tarte tatin. Beurre. Beurre. Vas-y, qu'est-ce qu'il faut? Farine. C'est tout. Allez, beurre. Ah, c'est tout. C'est une fois un récipient. Ah oui. Parce que j'ai pas un couteau dans l'œil, non, un compas dans l'œil. Un compas dans l'œil, ouais. Puis un couteau dans le cul. Ah oui, t'es tout petit, mais d'ici. Voilà, la bonne réponse de Zerwin. Zerwin, c'est l'expert de la pâte brisée, hein, donc c'est pour ça qu'on va le laisser faire, évidemment. On va peut-être la fondre un peu, parce qu'il va être trop dur. Ouais, ouais, ouais. 85, presque. Putain, dommage. Il devait faire 100, il a fait 85. C'est dommage. Ça, c'est... Alors, à mon avis, tu vois les autres, hein. 115, t'es sérieux? Bah, tu me coupes en deux. En deux, t'es sûr? Bah oui, 15 et 15. Banane. Et c'est ingénieur, bah bravo quoi. 100 putain, nickel. 100 pile poil quoi. Je veux combien de temps? 10 secondes. 20 secondes, ça va. 10 secondes. C'est vrai, il est mis. Il est bien. Tu vas mettre 900 grammes de. Non, combien tu dois en mettre? 200 grammes. Tu vas mettre 200 grammes de farine dedans? Oh, si, ça doit passer. Ce petit mode, c'est l'énergie, la force d'une crevette. Ah. Ça, c'est mieux que la force du fruit, hein, j'ai envie de dire. La force du fruit. On fait pas tous des pompes, 36 pompes tous les jours. Pourquoi? C'est qui fait 36 pompes tous les jours? Je sais pas, t'en fais combien? J'en fais plus, moi, j'en fais 60. Mais j'en fais pas tous les jours aussi. Donc en moyenne, j'en fais 30 par jour. Voilà. Bah, c'est toi qui me... Zerwin, il va vous briser. Il y a Zerwin à cuillère aussi. On aura peut-être des expériences. Il y a 200 pi. Ouais, puis, incroyable. Il va faire une pâte parfaite, hein. 100 grammes de beurre tout pile. 200 grammes de farine tout pile. Bon, enfin, à 200 grammes, on peut mettre plus après. Pas... Oui, non, il n'y a pas de lézard. Là, on... il n'y a pas de lézard. Heureusement, on est dans une cuisine. On voit rien aussi. Faut que l'on voit, j'imagine. Alors, donc, on fait la pâte brisée pour la tarte tatin, alors que normalement, c'est pas une pâte brisée. C'est bah, une si pâte. On peut. Non, on fait ce qu'on veut. Non, c'est une pâte feuilletée, non? Bah, on peut faire les deux, apparemment. Mais... Apparemment, on peut faire les deux. Ça dépend des recettes. On verra. De toute façon, faut la voir force si d'un homme, le talent d'un homme. Je vais faire caméramad. Regardez ça. Regardez comment il fait ça bien. Voilà. Le talent. Je pense qu'on peut remettre de l'eau. Attends. Oh, j'ai que deux mains. Un peu, pas beaucoup. Allez. Vas-y. Ouais, c'est bon, c'est bien. J'ai remis la moitié à côté. D'abord et ensuite. Avec de la bonne farine francine. Ah là, qu'est-ce qu'elle est bonne. Francine. Francine la coquine. Francine la coquine. De toute façon, tous les prénoms féminins en in, c'est toutes des coquines. Ah! Ah! J'ai l'impression que ça colle pas assez, c'est chelou. Tu penses que ça serait plus simple comment? Bah, après, elle sera froide, elle sera dure à étaler, mais bon. Il vaut mieux l'étaler là? Ouais. Donc, du papier sulfurisé? Pourquoi pas? Bah, d'abord, je l'étale. L'étaler maintenant, pas au frigo avant, et ben dis donc. Ah, bah, ça, je fais confiance à Zerwin ou. T'as pourquoi fait ça? Ah, mais c'est le cas. Bah, moi, j'ai toujours fait ça. Ça on fait confiance à Zerwin ou. Parce que Zerwinou, c'est quand même le chef le plus étoilé de sa ville, donc... Ouais, c'est parti. Sa ville de 100 habitants. Ah, c'est bien, toi aussi. Ce qui est bien, c'est qu'on aura aussi des discussions très diverses et variées suivant les invités, et ça sera toujours un enrichissement culturel, et... Quoi? C'est vrai qu'avec Zerwin, on est sur du langage assez cru, mais très fin. Ah ouais. Ah bah, faut aller directement. Faut aller à l'essentiel, quoi. C'est plus important. Ouais, si tu veux. Il y a une technique ancestrale de l'enrouler autour du rouleau. Ah. L'astuce Zerwin. Enrouler la pâte autour du rouleau. C'est pareil, mais ça va bien. Tchac. Et là. Ça va bien, la vie, Quentin? Ça se décolle, cette pute. Nous, on fait confiance à Zerwin. Là. C'est lui, le maître pâtissier. Ça passe. Oui, c'est normal. Attends. C'est le papier, il est pas assez large. C'est bon. Bon, bah tant pis. Ouais, c'est pas grave. Bon, on dirait que c'est bon. Et on met la pâte au frigo. De toute façon, j'ai repris comme ça. Et on va laisser se reposer. On aura un cercle. On a demi-heure. Ok, donc là, on a fait la pâte brisée à la Zerwin pour la tarte tatin. Parce qu'il faut laisser reposer, donc on l'a mis en avance. Et on va faire les lasagnes maintenant. Ouais, ça, c'est bien. En fait, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? La sauce tomate. Faut couper les tomates. Couper la vis. Je coupe les tomates et alors déjà peut-être les rincer, les tomates. Super tard.
Vous avez mangé super tard, ouais. Non, mais c'est parce qu'on habite en Angleterre, donc on a une heure de décalage. Hello, I love English because I'm simply the best. Non, non, parle pas. I'm simply the best. Je t'aime bien la balance. Moi, je hache la viande. Mais elle est déjà hachée, la viande. Bam. Voilà. Ça a bien joué, quoi. Un peu couillu, je vais décaler. Vas-y, tu cherches quoi? C'est un truc pour remuer la truc dans la poêle. T'as un truc, non? Cœur en bas? Ouais. Ça. Une clé en or. Coupons les tomates. On va voir si Steve sait couper les tomates. Attends, attends, attends. Oh, je sais pas les couper, j'ai jamais coupé de tomates de ma vie. Ah bon. Et là, on prend le le vrai couteau. C'est quoi? T'as mis de l'huile d'olive là pour encore? Non, j'ai rien mis. Et tu peux. T'as mis en route là, non, pour encore? C'est lui, Nicky Larson, what the fuck? Je coupe des tomates. I cut tomato for the lasagna. Donc en viande, on a pris. On a quoi? 250 grammes de viande. Et on a 6 tomates achetées ce matin chez le tomatier. C'est de la viande, combien de pourcents de matière grasse? C'est super important. Pff, putain, c'est écrit dessus ou pas? 200%. Je sais qu'il dit ça pour troller, mais. 5%. 5%, 5 comme mes doigts. 5% de matière grasse seulement. Enfin, je sais pas si c'est beaucoup ou pas pour la viande. Non, je crois pas. Bon, bah, ça va. On a pris le plus léger possible, quoi. La béchamel, il faut genre. 50 grammes de beurre, 50 grammes de farine. Mais du coup, c'était du beurre salé qu'il nous fallait. 40 centimes de lait. Hein? C'était du beurre salé qu'on voulait mettre dans la béchamel. Ah, on s'en fout. Ouais, on peut mettre n'importe. It's for two. Two people. Who they are angry. Et pour la voisine. And for the. Merde, je sais pas comment dire. Neighbor. Ouais, mais au féminin, tu peux le dire ça? For a girl, neighbor. 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 For girls in the house, in the other apartment. Flat. And for where they have a big breast. For two or plus. Let's go la tomate. Hein. Let's go la tomate. Bah ouais, faut que ça. Allez. Ouais. Mettre d'un coup. Hein. Oui, je pense. 250 grammes de viande et 5 tomates on a pris. C'est des tomates rondes. Des tomates du destin. 350 grammes de viande. Pour deux personnes. C'est quoi plus lourd, un kilo de farine, un kilo de beurre? Oh là là, les bonnes questions. Hein. Le plus lourd? Oui. Entre un kilo de farine et un kilo de beurre. Bah c'est le beurre parce que à digérer c'est un peu lourd. Digérer c'est, voilà, c'est le beurre parce qu'à diriger. À digérer c'est un peu plus complexe. C'est vos blagues les plus lourdes. Ah ah. C'est pas le kilo de beurre. C'est merdi ça, non? Non, c'est Quentin. Donc on a dit combien de beurre? 50? Ouais. Enfin, si tu veux en faire plus. Mais on fait tout chauffer en même temps? Non, tu fais fondre le beurre. Ensuite tu rajoutes la farine, il faut mélanger. Faut pas que ça. Fasse de grumeaux, donc faut tout le temps mélanger. Faut pas que ça dore, faut pas que ça grumeaute. Ah ouais. Et après faut mettre du lait au fur et à mesure. C'est trop lourd ça. Ouais, c'est relou. C'est un capote de shot de grenadine. Fais un shot de grenadine. Ah mais j'ai plus de grenadine, j'ai du sirop d'iced tea. C'est moi j'aime bien. Ah bon. Le combien faut mettre pareil en farine, c'est ça? Ouais. On fait la béchamel là. C'est... Oh merde. C'est la béchamel là. Alors donc on a fait de la merde parce qu'on aurait dû faire cuire un peu les tomates avant la viande. Bah ouais, elles sont trop lentes. Et sinon, bah ouais, parce que ça, normalement ça doit ramollir les tomates, mais là ça ramollit pas trop et la viande elle va être cuite, donc c'est un peu la merde. Ouais, je vais dans vodka. Vodka in the congelator. In the freezer. In the freezer. Ok, du coup je fais... La magie. La béchamel. Ouais. Attends, il y a ça à mettre. Tu mets la farine, il faut touiller doucement, mais il faut pas que ça dore en fait. Bah tu peux pas faire un shot de vodka. Mais je suis en train de faire la béchamel, putain. Ah, plus, j'ai mis trop de... J'ai mis trop d'idées, quoi. C'est ça? Du quoi, la vodka? Ouais. Bah non, les... Ah, les shots. Ouais. Ah oui, les shots, c'est les petits bateaux. Petit bateau. Shot. Putain, la caméra. On dirait de la purée. Hein. Water. Attends, pose-le. Enfin, je fais la béchamel, on boira après. Pose-le, on boira après à deux. Dis-moi si la béchamel c'est ok ou si je remets un peu de lait. Non, c'est encore épais là. Je pense que tu peux en mettre un peu.
vodka. Accident. On va pas bien jouer, putain. Accident. Oh là, j'aurais pas dû la mettre là. Mongolo quoi. Je t'en remets. Ah bah oui, ouais, j'aimerais bien, ouais. Et tu le poses à côté de ton verre aussi. Ouais. Ça fait 10 minutes là ou... Ah, pourquoi il fallait que ça cuise 10 minutes? Je sais pas, ça cuit. Mais tu me dis ça que maintenant, toi. Ouais. Genre, c'est quand j'ai fini, tu vas voir, faut que ça traîne 10 minutes, quoi. Non, bien joué. La vodka, elle vient d'où? Je sais pas, c'est quoi écrit sur la bouteille? Non, je crois que ça doit être la polonaise. Eristoff! Putain, pourquoi t'as fait ça? De quoi? On va s'arracher la gueule. Not best vodka. Not vodka. Allez, sinon. Vodka. Ça va. Il se goûte de vodka. Ça, peut-être plus. Non? Lasagne pas carré. Pas carré, ouais. Ça me paraît fin. Bah ça va être... Ouais, si on peut, après tu coupes des morceaux. Ouais, bah oui. Lasagne. De toute façon, tu les casses, quoi, les pâtes. Tiens, je casse. Il fait 1000 euros, you've been king in Kiev. King. Ah, bah ça va. Francis, beautiful country, so I think we are... it's better to... To be here. Ok. Bah ouais, je sais pas, non. Oui, oui. T'es pas d'accord? Si, c'est sûr. Mais on pourrait être des rois. We can be kings. We can be kings. In Ukraine. Bah, comment tu veux faire autrement? Bah oui, bah t'en mets une comme ça, puis t'en mets deux. Tu coupes en deux, puis on met en deux comme ça. Donc évidemment, nous mettons. Alors là, on avait commencé à mettre les pâtes de façon très chelou, mais quand même. Après, on va mettre le mélange viande-tomate, la béchamel, et on va répéter ça plein de fois, et après, ce sera parti. C'est vrai que je verse à l'arrache ou je verse là Peut-être un peu à l'arrache, quoi. Ouais. Faut qu'il y ait un peu de jus aussi, quoi. Putain, je sais pas ce que ça m'a donné à la fin, mais... Ah, faut du fromage aussi. Ah oui, fromage. Et fromage. Cheesecake. Plus alors de... Elemental. Et del parmesan, t'es... Ah, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je pense que c'est bien. Hein. Elle est vachement épaisse, en fait. Hein. Ah, j'ai un follow. Putain, merde, je suis trop loin. Thank you for the follow. Thank you for the follow, Gareth. You are so sweet. You are so sweet. Don't repeat what I say. Don't repeat what I say. Ah, tu veux mettre du fromage entre deux? Bah, on met, c'est ce qu'ils disent, non? Ouais. Bah, j'en sais rien. Cheese, cheese. On mettra le parmesan tout en haut, puis on mettra la dose, quoi. Ouais. Alors, on a mis pâte, tomate, bœuf, béchamel, emmental, et on répète ça plusieurs fois. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive, effectivement. Si on répète. Parce qu'on n'entend pas ce que je dis. Parce qu'on n'entend pas ce que je dis. Non, si, je pense qu'on t'entend bien. 2000. Pasta. Pasta, si. C'est pas grave. Voilà, yes, it's a very good. Very good coupage. Very good cutting. On fait comme on peut. Oui, we can do when we can what we can do. Let's go. T'es prêt. Let's go, people. Let's go. We are going to cook. Oh putain. We cooking like we can cook. Tu peux viser ce que je fais, ça va faire floc. Je peux pas mettre plus près. Bon. On l'entend pas. Oh merde. Oh putain. It's a beautiful sound. Professional cooking. It
very propre, it's very clean, very cooking clean. We make a new couch, a new couch of a pasta. But a couch. And now a new... Naomi. Naomi. Naomi, Naomi a new couch of tomato. Yes. Yes, it's lasagna. You don't see it. Don't you see it? Don't you see it? It's fucking lasagna. C'est vrai, en plus je suis près du micro. Je suis la troisième. Mais en tout cas, on est là pour apprendre la cuisine, donc du coup, double, pasta. Double lasagna. Double lasagna for the last... It's money, motherfucker. It's money, motherfucker. Trop de monnaie dans les poches, quoi. My money. It's a kiku cooker. Kiku cooker. And forget the cheese on the last layer. It's a noob. It's a noob of cooking. Fuck. What the fuck, man? Holy shit. Oh shit. Du coup, fais la bechamel. The bechamel. Is the last layer of bechamel. What remains of bechamel? Let's go. A bechamel. It's a bitch. A bechamel. Le mec, il va être banni Twitch avec tous ses insultes. It's a bechamel. On the last layer. Et là, t'es en train de perdre ton public français. Là. Et je perds mon public français. Oh là là, Thierry. On va peut-être enlever le message ou l'alcool parce que bon, on a fini de boire quand même. Les gens, ils vont pas comprendre. Oui, c'est-à-dire bah, tu recouvres bien, quoi. Je sais pas si tu peux tout mettre, mais... Tu veux juste mettre tout? Ouais, non. Ça fait beaucoup. Bah, tu vas faire une belle couche. Bon, je suis motivé. Ouais, vas-y, mets tout. De toute façon, je ne me servirai pas. Let's go for a ton of parmesan. Blah, parmesan. I love parmesan. I love parmesan. On the pizza, but and yes, very good. On the lasagna too. Las lasagnas. Attends, je vais rapprocher la caméra. Oh, c'est meilleur, ça rire. Oh, 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 lasagna. On voit pas grand-chose, mais... On voit surtout un gros tas de sauce. Un gros tas de jus. Regarde, ça fait masse de jus. Je sais pas, on voit bien, en fait. On voit bien. Avec la lumière, je me rends pas trop compte. On voit que dalle, hein. On voit que dalle. Que dalle. Ah, bah, vas-y, mais voilà la gueule que ça. Il y a masse de jus, quoi. Ouais, c'est vrai que... El parmesan, si. It smells very good. It smells very good. It's a fucking lasagne. Cocktail time. Cocktail time. It's cocktail time. Cocktail time. Ah, en plus, c'est celui-là qu'on va faire, non? De quoi? Ah non, enfin, c'est un verre comme ça, mais j'en ai pas. Attends, attends. C'est un peu décevant. Donc, on fait un daiquiri. Donc, normalement... Ce qu'il faut, c'est 4. Je fais le four à 180. C'est 4 centilitres de rhum. Bon, nous, on double parce que sinon, on n'aura pas assez à boire. Sachant que je fais les deux en même temps, donc du coup, je quadruple. Et 11 citrons. Donc, 8 de citron. Alors, normalement, il faut mieux le faire avec du vrai citron, hein, ça me paraît évident. Oui, tout à fait. Zombie, goudron. Allez, un côté, il s'appelle le goudron. C'est quoi? De toute façon, on fait ces 4 de sucre de canne, je crois. Electric oven. Bah, allez. Yes! En même temps, des fours à gaz avec des petits trucs. Parfait. Le verre. Après, si c'est cuit avant, on verra. Oui. Chin-chin. Chin-chin for the... notre ouais. Réussite... c'est pas encore sûr. ...de ce soir. Pour être chinon d'avance et oublions... Oublions les... Oublions. Attends, je peux montrer la couleur, mais bon, c'est pas fou. On dirait du... Et quoi déjà dedans? Rhum, jus de citron, sirop de sucre de canne. Ouais. Donc là, on coupe les pommes pour la tarte à pain. You're doing... We cut the apple for the tarte à pain. For the dessert. For the dessert. Dessert. Pour le désert. Je me fie. Ouf, ça a l'air d'être bien bruni là. Car ouais, c'est pas mal là. Ouais. Puis on n'a pas mis longtemps. Ouais. 15 minutes hein. Ouais. Charlotte car. It's un peu. En moins. It's apple pie with pasta on the top.
Est-ce qu'il y aura 150 grammes? Je ne pense pas. Tu penses pas? Non mais j'en ai en rab. Ah si, c'est possible en fait. Bon, de toute façon, si on rate le caramel, on en refait, hein, j'en ai du sucre. Le petit message de prévention. Ah oui, c'est parce que tout à l'heure on a fait un cocktail en fait. Et on a bu un shot de vodka aussi. Bah il est là le cocktail. Dans une casserole, verser le sucre avec l'eau. Enfin, dès qu'il y a... Bah je peux mettre de l'eau, mais... Une cuillère à soupe d'eau. Pourquoi? Faut que je mette un peu d'eau. Next vodka. I don't know. But we have cocktails. Nice cocktails. C'est quoi comme cocktail, tu l'as dit ou pas? Daiquiri. Daiquiri. Daiquiri cocktail. Je connais très peu les cocktails. Je bois que de la bière et du vin. Ouais. La meuf. Bah t'as raison, en même temps, les cocktails c'est pour les fiottes. C'est pour ça que t'en voulais quoi. Bah c'est le seul moyen d'avoir de l'alcool ici. Ouais, j'ai de la bière dans le frigo. Que on a acheté tout à l'heure en plus. C'est vrai. Ouais, mais peut-être pas encore fraîche. Je pense qu'on va le refaire, hein, parce que là, c'est pas normal. Ou sinon, je fais cuire plus encore. Peut-être un peu plus. Ça commence à brunir. Ah, c'est pas mal. Ouais, si, c'est bon. C'est bon, les gars. On va sauver le caramel. On va sauver le soldat caramel. Peut-être mélanger un peu, quoi. Le problème, c'est que du coup, il n'y a pas trop de lumière, quoi. T'as trop. The caramel. Caramel. Non. Yeah. J'ai du mal à voir, mais je suis pas sûr qu'il y ait de la super bonne lumière, quoi. On dirait du coca, quoi. J'ai fait du coca artisanal, quoi, bien joué. Du coup, les pommes, on les coupe un peu. Bah oui, je pense. Vas-y, vire ça. Ça va pas coller, tu penses? De toute façon, ça va recuire derrière. Ouais. Une caramel. Hmm. De toute façon, oui, ça va forcément durcir. Mais... Bon, je pense que tu peux mettre un peu de beurre pour les pommes. Ah non, un peu, ouais, un peu fond d'eau, en fait. Ça suffira. Putain, ça sent trop bon. Let's go. Let's go. Et tu fais cuire un peu les pommes ou pas? Ouais, bah non, bah, de toute façon, c'est plus simple parce que... Bon caramel. Si, enfin, faut les réduire, les pommes, de toute façon. Oh, on peut tout mettre dedans, pourquoi c'est nickel. C'était là? Ouais. On va se prendre une part de lasagne. Je caramélisais les pommes avec un peu de sucre dans une poêle. Ah oui, non, elle ne fait pas comme ça. Ah, bah non, je sais pas, on a pris une recette comme ça sur... Sur le net. Avec un peu de sucre. Bah nous on a le caramel, ça devrait suffire. Nous on va mettre, on a fait le caramel, on va mettre les pommes dessus. Après on va mettre la pâte dessus. Et on tourne. On ne sait pas danser. Lasagne are very good. Normalement le fil il est assez long, attends, c'est parce qu'il est... Il est coincé. Very good lasagne. Mm. Mm. Very good. Après on avait pas les photos, il est un peu dégueulasse. Hein, mais... Un tracking. Un tracking. On montrera la cam. Des bonnes lasagnes. Putain, j'ai du mal à viser. Bon, elles sont un peu... juteuses, mais... Ça peut être mauvais. It's good. C'est bon. Mm. Donc, je pourrais pas aller plus loin que ça. Ça fait chaud, j'ai enlevé un bouton. Ou deux. Ou trois. Si tu veux. Puis comme les gens ils voient pas. Ils vont pas se rendre compte que je suis à poil. Voilà, le Roger. De toute façon, c'est une tentative de tarte à tatin, au pire on en refera une quoi. De toute façon, une tarte à tatin c'est un échec de base. Hein. C'est quelqu'un qui a renversé sa tarte donc. C'est vrai. Et Pouche qui dit que tu as du swag. C'est moi? Oui. Merci, c'est trop gentil. Pour une féministe... Est-ce que c'est un bon compliment? Même si c'est une féministe qui le dit, ça... Ça me va. Ah. Heureusement Poupouch est là, hein. Meilleure vieweuse. Ça me casse les couilles, je crois que je vais verser ce qu'il reste de pomme à l'arrache. Oui, bon, vas-y, ouais. Allez. Puis t'appuies dessus, et puis... La bonne cuisine française, n'est-ce pas? À l'arrache. À l'arrache. Ok. Look at this pasta. Donc on a fait la pâte avant les lasagnes, histoire qu'elle soit, qu'elle ait reposé un peu et que voilà.
Le plat, le plat il est là, donc vous pouvez mettre la pâte dessus. Mais après il faut couper. Tout le passe. Bah, déjà faut que ça rentre un peu, non? Bah faut couper pour que ça rentre, non? Et voilà les potes! Et voilà les petits amis! Puis avec ça on fait, je sais pas, on verra. Au pire, la prochaine fois tu viendras la faire avec nous. Ouais, viens Poupou, tu feras ce que tu voudras. Oula. En recette de cuisine. Ouais, mais on rajoutera du sucre. Ouais. Alors ça va être une recette exclusive. Nouvelle recette. Nouvelle recette! Qui n'existe pas. J'ai aucune idée de comment je vais designer ça. Donc j'essaie de trouver une solution. Ok. Let's go. Let's go for banana. Zero in banana. Ça fait bizarre ça. Ouais. J'aurais peut-être besoin d'un peu de farine. Ah. Tu veux quoi là, comment la coupe? C'est un croissant, croissant banal. The banana croissant. Banana croissant. Banana croissant. Oh yeah. You want a banana croissant? Zero in banana, on peut pas en savoir plus. Ah. Bah pourtant, pourtant tu vantais ses mérites et son skill tout à l'heure. C'est vrai. Tu veux pas tester ma banane? Tu veux pas tester la banane de Zerwin? Moi je suis prêt à... C'est-à-dire que tu doutes sur son skill? Moi je suis prêt à te faire essayer ma banane. Et la banane, et la banane... Quoi que ça veuille dire. On met une petite goutte de rhum, non? Pour... Je mets du rhum. Bah une banane au rhum, c'est super. Bon j'en sais rien, ça va être bizarre. Pasta, banana... And rum. 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 And sugar. Tu veux quoi, du sirop de sucre de canne ou du sucre? Non, du sucre. Je pense que ça va être long à cuire, on va peut-être la couper en... Genre là, comme ça, non? Je le laisse faire. Je ne cautionne pas spécialement, mais je le laisse faire. Parce que je veux... Ouais, je... Vas-y, fais. Regarde la création de Zerwin. Alors là, attention, c'est du next level, là. Alors, nous avons de la pâte brisée, de la banane et du rhum. Bah, que des bonnes et choses. Et c'est environ la moitié d'une banane en latéral. Hein, c'est vraiment coupé dans le sens et ça, c'est de la verticalité. Vodka. Vodka. Tu veux le boire ou... Non, bah vas-y. Vodka. I drink for you, my friend. C'est dur, hein, Charles. My friend. Tu veux que je te l'ouvre? Ouais, d'ailleurs. Ou tu veux que je te mette un peu sur le côté? Tu peux pousser, ouais, un petit peu, ouais. Je sais pas combien de temps ça cuit cette merde par contre. Recette spéciale. Alors, si c'est bon, je brevete cette recette. Faut un nom pour cette recette. La Zerwin Banana? C'est de la merde ça. Voilà, c'est toi qui l'as fait, donc c'est ta recette. Hein. Déjà, il faut que ce soit en français. La banane. La banane de Zerwin. Ma grosse banane. Ma grosse banane. Après, je pense qu'on peut l'améliorer encore en mettant un peu de chocolat. Faut trouver un nom, Zerwin, là. Si ça marche, la prochaine fois, si tu viens, je te ferai une Zerwin banana. Tu pourras goûter à ma Zerwin banana. Ouais, bah, vous irez ailleurs. Pourquoi? Pas de toi chez moi. Ah, ouais. On sait bien que chez toi, c'est un club d'échangiste. C'est l'air d'être... Je sais pas comment ça va donner, mais... Bon bah là, attention. Le caramel. Oh putain, il y a un petit problème de liquide là. Là c'est le caramel. Non? Ouais. Est-ce que tu as ramassé? Oh putain de merde, j'ai shooté dedans. This is the tart tatin. How do you think it is there? Ouais. Quoi? Par contre, c'est très... Enfin, ils ont rendu beaucoup d'eau, j'ai l'impression. Carte d'or. La grosse glace. Vanille. Ah, c'est les golden. Bah ouais, il y a des pommes qui donnent moins d'eau, je pense. Bah là, on a pris les golden. Tu le mets à côté ou dessus? À côté, ouais. Ça va fondre trop vite, non?
C'est pas le hauteur de nos attentes, mais bon. Ouais. Ça, c'est la recette spéciale que je viens d'inventer. La recette de Zerwin. Bah, elle a une belle gueule. Ouais, ça va. C'est vrai que, esthétiquement parlant, il peut y avoir un peu des doutes, mais... C'est un hot dog banane, quoi. La bite au four. On l'appelle comme ça, la bite au four, quoi. Le cigare aux lèvres. Le cigare. Putain. Le cigare à la banane. Tralala. C'est chaud. Un peu, mais ça va. C'est collé. Ah. T'as la partie qui colle. Par contre, le rhum, j'ai dosé à l'arrache. Hein. Je sais pas si c'est. Ah ouais, putain, c'est vrai que t'as du rhum. Bah oui, il est bon rhum. Ouais, je vais peut-être attendre un peu. Il va le brûler. Ouais, je pense. Ah. Je pense que je vais brûler, quoi. Genre, je vais y avoir une flamme et tout. Ouais. C'est chaud, hein? Un peu, ouais. Ouais, ouais, bah ouais, ça sort du four. Ouais. Alors? Non, c'est ça. Bon. Franchement, ça n'a aucune utilité, quoi. Ouais. La pâte, elle a pas de goût. N'importe quoi. T'as le mec trop la débit. Banane, elle a moins, elle a presque pas de goût. Elle est complètement molle. N'importe quoi. C'est très bon. Arrête, mais arrête un peu. Écoutez pas ce mec là. C'est pas parce que t'es cette arcette que ça doit forcément être excellent quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Bah, c'est une banane cuite. C'est une avec banane la pâte. C'est vrai, ouais, ça. Ça passera. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire sinon. Bah, si, on peut faire un Blue Lagoon, mais ça tape un peu et c'est pas beaucoup quoi. Comme tu veux. Blue Lagoon, c'est vodka, jus de citron, curaçao. On va faire ça, ouais. Enfin, si t'es partant. Ouais, bon, moi, c'est peut-être mon cocktail préféré, donc. Alors, moi, je double direct. Mais ça va être dur à couper parce qu'il n'y en aura pas beaucoup, quoi. Comment ça? Bah, divisé en deux. Bah, c'est 7 ouais. Centilitres, quoi, le cocktail. Bah, ouais. Bon, on se verra bien, on va se démerder. Sinon, tu le fais en deux fois, c'est bon. Ouais, je vais le faire en deux fois. Donc, c'est 4 centilitres de vodka. Trois de curaçao. Quel humour c'est Smartouz, t'as vu? Toujours. L'humour c'est important. En fait, je suis en train de me demander. Oui. Si je suis vraiment sur les bons dosages. Oui, non, parce que 4 c'est à fond. Ouais. Donc je mets tout avec un en moins, donc c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pour mélanger un petit peu. Et le premier pour Zerwin. En fait, je dirais que les plats, plus la soirée avancée, moins les atterris. Et après, je fais hop, je passe derrière, c'est le truc qui s'éclate par terre. Peut-être pas déconné quand même. Non, c'est pas déconné. Au checker, hein, pas la cuillère. Au checker, pas la cuillère, hein. Très important. Ouais. Et le bah merci. Bon, là, on a fini pour le coup. On a fini de manger, là. Non, on termine par un bon cocktail du destin. Un Blue Lagoon. C'est quoi ça? Ah, j'en ai aussi. Je sais pas ce que c'est. C'est le bout de. Je sais pas. De pâte ou je ne sais quoi. Ça, ça se voit pas cul sec. Hein. Ah, si ça peut. Avec le citron, ça picote. Bah, c'est censé adoucir parce qu'il n'y a que ça qui n'est pas alcoolisé en fait. Ouais. Bon, allez les gens, sur ce, bonne nuit, des bisous, bonne et puis je reviens demain soir. Puis sinon, je suis sur le Discord, quoi. Puis Zerwin aussi de temps en temps. Ciao, ciao, bye bye, des bisous, bonne nuit, ciao, ciao, bye bye.